Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joël Milquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre de l'Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais d'abord un petit détour par le fédéral. On apprend que Théo Franken a envoyé une lettre nominative aux demandeurs d'asile irakiens, les invitant à retourner dans leur pays. C'est une démarche opportune, ça ? Bah non, ce n'est pas une démarche opportune, comme si l'Irak était un paradis où on peut aller en vacances, hein, comme M. Franken a y visité, peut-être pour se rendre compte sur place. Et donc, ça participe de nouveau à une logique NVA, où on remet en cause le droit d'asile des réfugiés politiques, où, comme Bart De Wever l'a dit récemment, que les personnes qui arrivaient ici ne fouillaient sûrement pas des guerres, que tout ça était presque imaginaire. Et donc je trouve que c'est complètement contraire aux valeurs non seulement humanistes, mais juridiques. Les personnes qui arrivent et qui sont dans le cadre de la Convention de Genève ont droit, si les effets sont bien prouvés, à évidemment être des réfugiés politiques. Et l'Irak n'est pas un pays sûr quand même. Mais la réalité, c'est qu'on gèle toutes les demandes qui viennent de Bagdad, hein, pour les Irakiens. Oui, mais donc tout ça demande en tout cas des analyses beaucoup plus fouillées. Et je trouve qu'autant on peut penser à une liste de pays sûrs qui se trouve en Europe, autant l'Irak n'est pas un pays sûr. Et donc voilà, c'est toujours une manière d'avancer pour diminuer les droits qui sont des droits internationaux, qui sont reconnus depuis la Deuxième Guerre mondiale en matière de réfugiés politiques, qui sont des réfugiés de guerre pour le moment, ne l'oublions pas. Alors, le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été adopté, enfin, il y a eu un accord. Est-ce que les arbitrages ont été difficiles ? Mais en tout cas, ce qui était important, c'était à la fois de respecter la trajectoire et de ne pas être irresponsable de manière budgétaire, mais surtout, et c'était ma volonté, de protéger les secteurs clés que sont l'enseignement, l'enfance et la culture. Et donc, à la fois, nous avons pu être responsables et respecter la trajectoire en prenant des mesures qui ne sont pas du tout des mesures d'austérité comme le fait de manière très peu opportune le gouvernement fédéral, mais en ayant notamment des retours des politiques que nous menons pour diminuer le coût des redoublements, etc. Ce qui m'a permis dès lors de pouvoir investir par ailleurs dans l'enseignement en dégageant par exemple 12 millions pour les écoles et notamment l'augmentation des rénovations scolaires, en ce compris la construction de classes. Et ça nous semblait très important. On sait déjà sur ces rénovations, ces constructions de classes supplémentaires, quel est le pourcentage qui concerne Bruxelles, où est-ce qu'il y aura de nouvelles implantations ? Donc ça dépend des projets qui viennent. Hein. Donc, mais ce qui est bien clair, c'est que nous aurons 5500 places complémentaires à Bruxelles, là maintenant cette année, et l'année d'après, nous allons avoir 8200 places complémentaires. Et par ailleurs, avec ces 6 millions qu'on investit de manière complémentaire dans la rénovation des bâtiments scolaires, il y aura pour la première fois la possibilité de créer une classe complémentaire dans ce qui relevait notamment du plan d'urgence, où notamment ce n'était pas prévu. Ce qui va ouvrir les possibilités encore, ce qui est important à Bruxelles, notamment pour le nord de Bruxelles, où on sait bien qu'il y a une pression essentiellement à venir au niveau du secondaire. Alors toujours dans ce budget, on annonce peut-être la création de nouvelles écoles de devoirs. Est-ce qu'il y en aura en région Bruxelles ? Ah oui, ça, franchement. Donc je viens de rencontrer les plateformes qui sont ravies, parce que c'est la première fois qu'on refinance des écoles de devoirs qui attendent ça depuis des années. Et ici, on refinance à 70%. Donc ils auront 70% de plus en termes financiers, ce qui va nous permettre non seulement de renforcer l'existant et de permettre d'avoir beaucoup plus d'élèves par école de devoirs, notamment à Bruxelles, et en même temps d'ouvrir une cinquantaine d'écoles de devoirs, dont un grand nombre, au moins 20-25 à Bruxelles, étant donné les besoins de la population en la matière. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel de pouvoir aider beaucoup plus à la réussite l'enfant qui, parfois, vient peut-être d'un milieu socio-économique plus faible et qui a d'autant plus besoin d'être bien accompagné pour réussir. Alors, autre mesure concerne les accueillantes, hein, pour les petits-enfants. On va leur garantir un salaire de 1200 euros environ. Est-ce que ça veut dire qu'on va étendre le réseau ? Cette mesure va permettre quoi ? Mais d'abord, ce que nous voulons, c'est d'abord reconnaître le boulot fabuleux que fait une accueillante à domicile, où elle garde maximum 4 enfants, et qui a jusqu'à présent un statut qui ne lui permet pas, par exemple, d'être rémunérée quand elle part en vacances, qui ne lui permet pas d'être rémunérée quand elle a des enfants malades ou absents et elle est payée au nombre d'enfants. Donc, ce que nous faisons avec les 4 millions à partir du 1er juillet 2016, et puis ce sera 8 millions en année pleine à partir de 2017, c'est de permettre à toutes les accueillantes conventionnées d'avoir un
revenu minimum garanti qui va tourner autour de 1200 euros si elle a la garde maximale, c'est-à-dire pour 4 enfants. Mais donc ce sera 12 mois sur 12, donc en ce compris quand on part en vacances, et ce sera notamment aussi en ce compris quand il y a des enfants qui sont absents. Mais ça permettra d'étoffer le réseau, parce qu'on sait qu'on a des difficultés à Bruxelles pour trouver des enfants. Alors non seulement c'est un statut évidemment qui va améliorer la situation des personnes existantes, mais qui va évidemment rendre peut-être ce statut plus attractif pour que nous ayons plus de gardiens à domicile, ce qui est un objectif évidemment pour ouvrir les possibilités de places d'accueil pour les femmes qui travaillent notamment. Alors quand on parle de trajectoire budgétaire, ici on a quand même un déficit de 200 millions d'euros. C'est beaucoup plus que ce qui était prévu initialement. C'est beaucoup plus que ce qui est prévu, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on peut faire, puisqu'on pouvait aller jusque moins 220, on a choisi de faire moins 200. Et ça veut dire qu'on reporte l'effort à plus tard. On a fait des efforts. On a fait pour plus de 50 millions d'efforts, au-delà des efforts de l'an dernier. Mais ce qui est spécifique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que nous n'avons aucune capacité fiscale. Nous ne pouvons pas créer nos recettes par nous-mêmes. Nous sommes dépendants du fédéral en termes de financement, et donc de la croissance du fédéral, notamment de l'augmentation du PIB et de l'évolution des clés élèves. Et donc nous ne pouvons faire qu'avec les moyens que nous avons. Et je ne pense pas que vous auriez été très heureuse, ni la population, si nous avions décidé de faire des cures d'austérité dans l'école alors qu'elle est en pleine réforme. Alors évidemment, nous n'allons pas faire des dépenses complémentaires. Les politiques nouvelles, nous les prenons sur nos enveloppes globales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais nous n'avons pas, en tout cas, non seulement de recettes propres, mais en plus... Nous, nos budgets, nos dépenses, c'est pour des salaires, c'est pour des personnes qui travaillent au service des autres personnes. Est-ce que vous allez pouvoir quand même obtenir un retour à l'équilibre en 2018, comme c'était annoncé? Alors, bon, c'est toujours dans la trajectoire ça d'arriver reste l'objectif. À 2018. Maintenant, si ça doit être 2019, ce ne sera pas un drame, mais on essaye d'y arriver en 2018. Mais il faut juste savoir avec quoi on joue. Nous, c'est les salaires des personnes au chevet de l'éducation des enfants. Et c'est un niveau de pouvoir qui n'a pas de capacité propre. Ce problème, justement, de fond pour la Fédération Wallonie-Bruxelles amène certains, le Retourne Colling, sur notre plateau il y a quelques jours encore, à dire qu'il faut peut-être remettre en cause le modèle, trouver un autre système, donner plus de poids aux régions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que c'est vraiment considéré que quoi, demain, on va avoir un enseignement régional à Bruxelles différent de la Wallonie, alors que de la mobilité, c'est demain ne plus se dire qu'on a une Belgique francophone un tout petit peu homogène. Alors oui, les faits régionaux sont importants. Moi, j'ai vécu 25 ans de ma vie en Wallonie. Et puis maintenant, puis un certain nombre d'années, je suis à Bruxelles. Parce que je sens nécessairement des grandes différences en termes d'identité francophone. On peut donner plus de poids aux régions et puis faire des liens, des tâches de coopération entre les deux. Mais vous voulez un enseignement différent, avec des équivalences de diplômes entre Waterloo et UCL, avec une RTBF différente entre les deux. Donc moi, ce qui met en cause l'identité francophone dans ce pays, ils sont suicidaires. Parce qu'on est dans un pays où c'est important de garder un rapport de force uni par rapport aux francophones. Mais ici, c'est le PS et le MR qui est suicidaire. Je suis totalement contre la régionalisation des matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On peut penser différemment, mais je trouve que nous jouons un peu les apprentis sorciers lorsque l'on veut importer dans le monde francophone ce qu'on a tous critiqué comme francophone lorsque ça a été importé au fédéral, c'est-à-dire le fait d'organiser des confédérations ou des divisions à un moment en termes de matière. La sixième réforme de l'État, donner plus de compétences aux régions, c'est très bien, c'est équilibré, mais qu'on garde au moins une culture francophone, une éducation francophone. Ça veut dire que le PS et le MR jouent avec le feu quand ils viennent avec ces propositions. Mais en tout cas, moi, je ne partage pas cette idée et c'est encore bien le droit du CDH de penser différemment. Et je pense que sur ce point, il porte plutôt la défense des intérêts de l'unité des francophones et pense que ça parle à la population. L'encadrement pédagogique alternatif, hein, ces cours qui ont été mis ici en place à la rentrée, seuls 2,5% des élèves sont inscrits. À Bruxelles, en secondaire, on monte jusqu'à 6%. C'est pas beaucoup, finalement. Est-ce qu'on n'a pas mal présenté ce projet mal enfin, vendu, c'est quand même hallucinant ça. Donc, d'abord, ce n'est pas un choix. Moi, je ne voulais pas de ça, comme aucun des parents d'ailleurs. Oui, mais il y a une décision de justice. Attendez, je vais quand même vous expliquer les rétroactes. Vous avez déjà, depuis 15 ans, entendu le moindre parti, le moindre parent ou la moindre manifestation pour dire surtout, permettez-nous de faire une dispense entre les cours de morale et de religion. Ça n'intéressait personne, sauf un petit mouvement un peu engagé en termes politiques au niveau de la FAPEO, puisque, bon, in fine, c'est la responsable de la FAPEO qui a introduit ce recours qui touchait un enfant. Bon, très bien, ok, on a un avis de la Cour constitutionnelle, je l'ai respecté en disant toujours bien, un, ce n'est pas la demande des parents, deux, ce n'est pas une priorité, trois, vous nous obligez à déployer une énergie de dingue
déranger les établissements scolaires, alors que notre priorité, nous, c'est d'investir dans le pédagogique et faire en sorte que nos enfants soient bien formés. Mais alors, non, c'est je un peux fait. Comprendre. À mais bien sûr, mais je ne là, suis pas déçu. Ce n'est pas un échec que du contraire. C'est plutôt leur échec que le mien. D'aller constater que les parents n'ont pas suivi. On a toujours mais dit que c'était qu'ils pas n'ont pas obligation. Suivi parce que c'était pas très bien vendu. Non ah, excusez-moi, d'abord, quand on y a parle pas de à vendre rien. Ou pas vendre, on fait pas de la publicité pour une chose ou l'autre. Nous, les parents, ils sont assez autonomes pour savoir ce qu'ils veulent. Quand on est un parent, on sait si on veut inscrire son enfant en religion ou pas, si on veut l'inscrire en morale ou pas. Et moi, les établissements scolaires qui ont été faire des pressions pour dire aux parents ce qu'ils devaient faire, je trouve que ce n'est pas très ouais. respectueux. On dit que certains des établissements scolaires n'ont pas remis le formulaire de dispense. Oui, je connais surtout beaucoup d'établissements scolaires à Bruxelles qui ont surtout fait du forcing pour qu'il y ait la dispense. Ouais. Vous savez, donc dans pour ces vous, ce n'est pas une opportunité ratée finalement ce cours. Bah, ce n'est pas ce que je voulais, donc ce n'est pas mon combat du tout. Mon combat, moi, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement pour les enfants. Et à mon avis, c'est le combat des parents. Et donc, pour moi, ce n'est pas un échec. Ça prouve juste que cette demande n'était pas ce que les parents voulaient. Par contre, un cours de citoyenneté, ça, c'est très important à mettre en place et on le fera à partir de 2016. Pourtant, ça aurait pu être l'embryon d'un cours de citoyenneté. Mais c'est l'embryon d'un cours de citoyenneté, puisque toutes les thématiques sont des thématiques de citoyenneté. Mais nous l'organisons pour que ce soit dans un vrai cours organisé à partir de 2016 pour les primaires, 2017 pour le secondaire. Alors, le décret inscription, on attendait une révision pour la prochaine rentrée. Finalement, c'est reporté. Ah non. Une révision aura lieu. Mais si je viens... pour 2016. Oui, mais heureusement. Sinon, vous auriez les parents dans la rue. Parce que si je trompe tout le monde en venant en pleine année de 6e primaire, en changeant les règles pour des personnes qui parfois ont déménagé, pour être proches d'un domicile, etc., c'est tromper les gens en cours de chemin à 6 mois d'une échéance. Et ça, ce n'est pas correct. Donc, la modification, elle est prête, nous allons en discuter, nous allons la présenter, mais je veux qu'elle soit bien claire, si elle est adoptée et adoptée, avant les inscriptions en 6e primaire des futurs enfants, sinon nous trompons les parents. Et ça, est-ce que ce sera d'application pour la rentrée de 2017 ? Si on a un accord politique, bien sûr, oui, mais il faut qu'on ait un accord politique. Alors, est-ce que le livre souffre de la concurrence des tablettes par rapport aux enfants ? Alors, je pense que d'abord, le livre a souffert aussi de la concurrence de la télévision. Ça, depuis et parfois, bien longtemps. Oui, mais parfois d'un manque de sensibilisation, parfois d'une disparition... dans les écoles ou d'un rôle qui n'était peut-être pas accordé de manière suffisante. Alors évidemment que les tablettes, les jeux vidéo, les smartphones sont l'apanage des enfants. Donc c'est fondamental d'avoir une stratégie et un plan lecture tel qu'on l'a proposé il y a juste encore 15 jours pour permettre justement de remettre le goût du livre à l'école, de refaire lire dans les écoles et déjà... dans les crèches, je trouvais un rapport à l'histoire, au conte. Et donc, nous venons de faire une opération avec l'ONE pour que chaque enfant qui naisse en Fédération Wallonie-Bruxelles, et en tout cas les parents, reçoivent un petit livre qui explique quelle est l'importance de la lecture, de l'histoire, du conte, des mots, de la maîtrise du français, la manière avec laquelle on va utiliser le livre en maternelle, la manière avec laquelle on va le réinstaller de manière beaucoup plus générale dans l'enseignement. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déployé ce plan lecture pour lequel j'ai dégagé des budgets, notamment pour les opérations écrivains en classe, pour renforcer la fureur de lire, pour mettre la lecture dans les référentiels du maternel, par exemple. Voilà, plan qui va se décliner sur les prochaines années, puis il y a des mesures immédiates et puis d'autres qui prendront cours plus tard. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain samedi, dans Les Experts, il y aura Francis Delperré et Damien Théry. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.